I cannot stand. I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out to the black. Tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. Bonjour et bienvenue pour cette présentation de Legendary Encounters Firefly. Donc Legendary Encounters, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu basé sur du deck building. Il y a déjà la série Marvel, Legendary Marvel, avec des super-héros de Marvel évidemment. Il y a la série des Encounters qui est plus basée sur des licences et sur des films, avec beaucoup plus de narration, beaucoup plus d'histoire que les Marvel. Du moins un déroulement un petit peu différent, je trouve. Même si dans le principe les mécaniques se ressemblent énormément. Et donc je vais vous présenter les particularités de cette édition Firefly, qui est vraiment sympa d'un point de vue mécanique. J'aime bien, j'aime beaucoup comment ils ont repris les histoires et la façon dont ça se déroule. Le gros point noir, donc on a le tapis de jeu ici qui est assez sympa, hein. Ici on se trouve avec le Serenity, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le vaisseau de l'équipage dans Firefly. Ici le Verse, donc l'univers. Ici on a les cartes comment ils ont appelé ça ? Les cartes de type caractère, donc on peut recruter. On va avoir ici un deck pour des attaques d'équipage. Ici, un deck important, c'est le deck d'épisode, parce qu'on va faire des parties en fait qui vont durer 3 épisodes, et chaque épisode a un deck de cartes et une carte finale. En plus, chaque épisode va avoir un objectif, ou plusieurs, ou deux, un ou deux objectifs, je crois, qu'il faudra réaliser pour terminer l'épisode correctement avant que la dernière carte du paquet d'épisodes atteigne la zone de combat ici. Donc en fait, traverse entièrement le verse pour arriver dans la zone de combat. On a également des attaques, des blessures sur les attaques de vaisseau. Pourquoi ? Parce que notre vaisseau Serenity peut se prendre des dégâts, et si jamais il est couvert de dégâts, on perd la partie également. Les dégâts d'équipage, comment ça va être affecté? Chaque joueur va jouer un personnage principal de la série. Donc là ici j'ai pris deux joueurs, j'ai Kaylee et Mal, en plus de son deck de cartes évidemment. Hop, j'ai mon deck de pioche, j'ai ma main. Et... le vaisseau, entre deux épisodes, on va pouvoir l'augmenter grâce à des upgrades qui vont nous permettre d'avoir des bonus sur le vaisseau. Donc on va choisir, je crois que c'est entre une ou deux ou trois cartes. On a trois cartes, on en choisit une, ou deux cartes, on en choisit une. Et ainsi de suite, et donc ils ont fait 13, je crois que les 13 épisodes sont représentés dans le jeu. Le point noir du jeu, c'est quoi? Ça va être les illustrations. Les illustrations, il suffit d'aller voir les commentaires sur Internet, sur les forums, partout, c'est assez pitoyable. On ne comprend pas trop que Upper Deck, alors qu'ils ont une licence Marvel, où les illustrations sont quand même pas mal du tout, même si certaines sont un peu moins bien, mais dans la majorité, elles sont très belles. Alien, je crois que c'était déjà un peu moyen, ou du moins, c'était pas trop mal, mais c'était... pas très cohérent, ou c'était pas toutes les cartes n'étaient pas du même niveau. Là on se retrouve avec un niveau qui est plutôt moyen sur l'ensemble des cartes, et quelques-unes qu'on trouve un peu mieux, mais c'est très très moyen. Je vais donner un exemple. Alors les cartes de type avatar sont pas mal, voilà. Donc c'est pas, pour le coup je suis étonné qu'ils aient pas repris ils ont pas dû avoir la licence complète de Firefly. Ils ont pas repris les illustrations des films, qui auraient pour le coup été bien sympa. Donc c'est du style dessin. Donc là on a eu Mal, on a Kelly, donc qui est mon deuxième personnage. Et on va voir Inara et Mal. Donc Mal, vous l'avez vu tout à l'heure, et là on a une illustration avec le pasteur là. Inara et Mal derrière, qui a une tronche un peu bizarre.
Ça, c'est une illustration, on va dire, moyenne. Il y a pire. Donc là, on a Simon aussi, qui est le médecin, un médecin réfugié avec sa sœur à bord du vaisseau. Mais c'est franchement pas extraordinaire. Mais franchement pas. Quand on voit ça, l'illustration, c'est... Et ça, je crois que c'est la moyenne. Enfin, c'est un peu ce style-là qu'on a comme illustration, surtout. Donc, il y a d'autres illustrations qui sont relativement sympas. Ici, on a la carte scénario, comme ça, avec l'objectif ici, en dessous, qui est indiqué. Donc, pour présenter l'épisode que je vais, pour lequel on va faire une partie aujourd'hui, je vais voir si je fais les trois épisodes ou si j'en fais qu'un seul. Ça peut être un petit peu long. Ici, l'objectif, c'est de récupérer des caisses, un peu comme dans le premier épisode de Firefly, où l'équipage est en train de récupérer des caisses juste à côté d'un vaisseau de l'Alliance, un énorme vaisseau. Donc là, le but, c'est d'en récupérer 3. Comment ça se passe pour en récupérer 3? Comment ça peut jouer? En fait, dans le deck d'épisode, les cartes vont défiler ici, au fur et à mesure, à chaque fois qu'un joueur joue. La première action, c'est de poser une carte ici. S'il y en a déjà une présente, elle se décale d'une case vers la gauche. On met la nouvelle carte, et ainsi de suite. Quand ça arrive dans la zone de combat, si c'est un ennemi, il va potentiellement attaquer. Donc ça, il va attaquer soit Serenity, si c'est un ennemi de type vaisseau, soit l'équipage, si c'est un ennemi de type équipage. Donc on saura... Des dégâts. Comment se passe l'attaque? C'est simple, en fonction de la puissance de l'ennemi, on va prendre une carte attaque de vaisseau, ou plusieurs parfois, et ou une carte attaque d'équipage. Donc pour l'attaque d'équipage, c'est simple, ça va faire des dégâts qu'on va mettre en dessous les cartes avatar, sachant qu'ils ont donc des points de vie pour chaque personnage. Donc Mal en a 10, Kaylee en a 9. Et si jamais Serenity est complètement détruit, on a perdu la partie. Si notre équipage est mort, on a perdu la partie. Et si on atteint, si la dernière carte du deck d'épisode atteint la zone de combat, on a perdu aussi. Donc le but et le scénario, l'épisode s'arrête dès qu'on a rempli les trois objectifs. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, si j'ai réussi à remplir les trois objectifs, c'est terminé. Donc les cartes salvage qu'on voit, donc les caisses, elles vont apparaître ici. Quand elles sont révélées, on les place dans les opérations. Et dans les opérations, les cartes qui sont présentes dans les opérations, on peut dépenser donc ce qui est indiqué dessus pour les réaliser. Donc en fait, on va dépenser des cartes de notre deck pour réaliser les opérations. Une fois qu'elles sont réalisées, on les met à côté du vaisseau pour dire qu'elles ont été finalisées. Dès que j'en ai 3, l'épisode s'arrête. Et on passe à l'épisode suivant. Donc la première partie... Le premier jeu Firefly, il y a 3 épisodes, donc avec carte objectif en premier et le deck que j'ai déjà préparé pour les épisodes suivants. Donc en fait, la première partie, il y a l'épisode 1 qui est en partie 1 et en partie 2, et ensuite un épisode 2 qui est l'attaque du train. Ça suit exactement les épisodes de la série Firefly. Quoi dire d'autre? Donc l'équipage est systématiquement composé de 5 personnages. Les 5 personnages, donc moi j'en ai 2 ici, j'en ai 2 ici, mon capitaine et Kaylee ici, et les 3 autres qui sont mis sur le côté, on aura Zoé, Book et Jane, qui sont aussi des personnages de l'équipage de Firefly. Jane, c'est un mercenaire recruté par l'équipage. Book est arrivé dans le premier épisode, c'est une sorte de pasteur. Et au passé, j'ai pas vu tous les épisodes, donc au passé un peu. Au passé nébuleux, on va dire. Et Zoé fait partie de l'équipage, est une ancienne camarade ou un ancien collègue de Mal pendant la guerre qui a eu lieu. Avant cela. Donc une guerre dont tous les personnages... comment je veux dire ça? Une guerre que tous les personnages de l'équipage ont perdu. Ils se sont trouvés dans le camp des perdants. Comment ça se passe dans le jeu?
Les cartes ont deux possibilités d'être utilisées. Ici, c'est un nombre de points de recrutement. Donc, c'est la partie achat, c'est la valeur d'achat de la carte. Donc, les recrutements se font à l'aide. Les points de recrutement, ça va être les étoiles que l'on trouve sur les cartes de notre deck. Cette carte, si j'achète, elle rentre dans mon deck, elle va dans ma défausse. Comme mon deck est vide, je remélange les cartes et donc elle va venir dans ma main à un moment ou un autre. Et cette carte va m'octroyer 3 points d'attaque. Plus ici, on a un mot-clé réaction qui permet de faire quelque chose pendant qu'un autre personnage joue. Donc vu que je joue seul avec deux personnages, les cartes de type réaction, et il va y avoir une autre carte qui est de type, je retrouverai ça, coordinate, qui est assez important dans le jeu. Celle-là, je vais les retourner pour les voir en permanence, pour être sûr que je puisse utiliser les pouvoirs avec un personnage au fur et à mesure. À savoir qu'en fait, le pouvoir de coordinate, donc là c'est une réaction, mais ouais, je vais vous faire voir coordinate ici. Donc ça permet, quand un autre joueur joue, donc un joueur est actif, il est en train de jouer, un autre joueur peut utiliser une carte coordinate et une seule, la mettre de côté pour que le. Et piocher une carte pour la remplacer dans son deck. Et la carte est disponible pour le joueur en question. À savoir qu'il va pouvoir l'utiliser pendant son tour de jeu. Qu'il l'utilise ou pas, elle sera défaussée dans la pioche de la personne qui l'a laissée, sachant qu'elle a déjà repris une carte. Donc ça. La personne qui laisse la carte, ne l'aura pas dans son jeu pour son propre tour, mais par contre, ça peut franchement aider à réaliser des actions. Donc, il y a des attaques ou des points de recrutement sur les cartes qu'on va récupérer. Sur le deck de base, on a Misbehave pour les attaques et les cartes shiny de base pour les points de recrutement. Donc, les étoiles, les points de recrutement, les griffes, les points d'attaque. La carte talent. Donc on commence le jeu avec une carte talent. C'est ce qui permet d'activer le pouvoir qui se trouve sur la carte avatar qu'on va jouer. Donc la carte avatar de Maul, c'est talent, fiercely loyal. On pioche une carte quand on joue le talent. Et on peut choisir deux joueurs. Qui vont piocher une carte eux aussi. Et il y a aussi une notion de flow, qui est en fait une contrepartie de talent qu'on va récupérer par le jeu, et qui sont plutôt des effets négatifs. Premier épisode, donc l'épisode 1 Serenity, dans lequel on doit récupérer 3 caisses. Dans une épave de vaisseau en fait. Donc le tour de Maul qui commence le jeu. Les personnages commencent dans un ordre qui est indiqué sur leur carte Avatar. Il y a Avatar 1, donc c'est Maul qui commence. Kaylee, elle est en numéro 5. Selon les personnages que l'on joue, on aura un ordre différent. Donc la première action à faire, c'est de prendre une carte de l'épisode et de la mettre face cachée. Et oui, effectivement, on a comme dans Aliens une notion de scan des cartes qui sont présentes dans le verse avant d'atteindre la zone de combat. En dépensant, en fonction de la présence, en fonction de l'endroit où elle se trouve, on va dépenser deux attaques, trois attaques, trois attaques ou quatre attaques pour les révéler. Certaines cartes ont un effet une fois qu'elles sont révélées, qu'on applique évidemment dès qu'elles sont révélées. Donc là, j'ai deux misbehaves, donc deux attaques et deux points de recrutement. Et je ne vais pas faire grand-chose si ce n'est et talent. Donc les deux attaques, je ne peux rien faire parce que je ne peux pas scanner. Deux talents, je peux prendre cette carte-là qui est de soigner une blessure d'équipage. Donc on va la prendre. Donc c'est le même principe que dans les autres. On a parfois des petits symboles. Ça veut dire que si on a joué une carte qui possédait des symboles avant de jouer celle-là, on va pouvoir utiliser l'effet de la carte. En plus des deux points de recrutement qui, eux, viennent systématiquement. Donc ça, c'est fait. Hop. Je défausse ma main complètement.
et je repioche 5 cartes. Je me demande si c'est pas 6 en fait, mais... Et si c'est 6 cartes, je m'étais trompé tout à l'heure. Bon, normalement c'est 6 cartes. Donc j'aurais dû avoir une carte en plus, j'aurais dû avoir un point de recrutement en plus qui m'aurait fait 3. Alors attendez, je vais changer. Voilà, j'aurais dû avoir 6 cartes en main. Donc en fait j'ai 2 Misbehave, 3 Shiny, donc j'ai 3 points de recrutement. Donc, je peux toujours pas faire de scan avec mes deux attaques. Mais par contre, je peux choisir une autre carte éventuellement. Donc j'ai le... C'est toujours des cartes de Simon que je peux utiliser. Ah si, j'ai celle de Wash aussi. Qui est pas mal, celle de Wash. Si je peux en avoir d'autres. Celle de Wash, donc qui est le pilote hein, du vaisseau Serenity. Qui permet d'avoir deux attaques déjà. Et en plus, si jamais j'ai joué une autre carte de ce type-là avant, les ennemis ne peuvent pas attaquer à ce tour-ci. Ce qui peut être pas mal. Donc je vais prendre ça, ça vaut 3, et je les ai cette fois-ci les 3. Et je repioche donc, je défausse toutes mes cartes, je repioche 6 cartes. Sachant qu'au départ on en a 13, on a, 6, on a 12 cartes, plus la carte de talent. La carte de talent, si elle est utilisée, elle est rendue dans le deck de talent, c'est un deck avec plusieurs cartes talent dedans qui sont toutes les mêmes. Donc c'est utilisable une fois, après les talents on peut les récupérer. En, là par exemple, pour les objectifs, il est indiqué que quand je récupère un salvage, je gagne un crédit, donc ça c'est à la fin de la partie, on verra à quoi ça sert, et un talent. Donc ça veut dire que dès que je fais une partie de l'objectif, donc dès que je récupère une caisse, je vais mettre la carte de côté et je vais récupérer une carte de talent qui va venir dans mon deck, qui va permettre de réutiliser le talent à d'autres moments. Sinon, à la base, j'ai une fois la carte et je ne pourrai le jouer qu'une seule fois. Une fois que c'est joué, on la défausse, elle ne revient pas dans la défausse. Enfin, elle est défaussée, elle est sortie du jeu plutôt. Elle est retirée du jeu et elle ne revient pas dans la défausse. J'ai tiré mes 6 nouvelles cartes. Donc là pour l'instant, j'ai pas de cartes qui peuvent venir en interaction avec le deuxième joueur, donc je ne vais pas les regarder. Dès que j'aurai des cartes de type coordinate, je le ferai et je décalerai ces cartes-là pour être sûr de pas de pouvoir utiliser ces possibilités-là. Vu que j'ai acheté une carte, j'en mets une nouvelle ici. Ah bah c'est la même carte d'ailleurs. C'est bien sympathique. Et c'est à Kaylee de jouer. Donc la première chose qu'elle fait, c'est de tirer une nouvelle carte. Vu qu'il y a déjà une carte en place, on décale. Et on met la nouvelle carte au bout. Donc là, cette fois-ci, si j'ai 3 en attaque ou 4, bah je pourrais scanner une des deux cartes. Et j'ai 3 en attaque et 3 shiny. Donc je vais scanner une des cartes. Je vais scanner celle-là avec 3. Et là on a quoi? Un side job. Alors, donc les side jobs dans Firefly, une autre particularité en fait, c'est qu'on a des conditions. On a une condition qui est qui est indiquée dessus. Si on réalise cette condition, il y a une valeur de succès, il y a une valeur de succès qu'on peut appliquer. Si jamais cette carte de job arrive dans la zone de combat ici, et qu'on a, il nous reste un tour pour réussir à accomplir ce qui est demandé dessus, si on n'accomplit pas, on applique l'effet failure de la carte, donc échec de la carte. Donc celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Au début de votre tour, vous pouvez défausser chaque carte avec une attaque ou plus depuis votre main. L'équipe, donc c'est un boulot d'équipe, l'équipe doit faire ça 2 tours de suite pour compléter le side job. En cas de succès, ça nous fait gagner un crédit. Donc les crédits, c'est des choses qu'on va gagner entre chaque épisode qui vont nous permettre justement d'améliorer le Serenity. Et en plus, chaque joueur qui a défaussé des cartes va gagner un talent. Donc le succès, donc les crédits effectivement ne comptent qu'à la fin du scénario si on a remporté le scénario, si on a remporté l'épisode. Par contre, tout ce qui est cartes qu'on récupère immédiat, tout ce qui est récupération de cartes, c'est immédiat.
Et si jamais on n'arrive pas, donc la carte arrive dans la zone de combat avant la fin, donc si elle arrive dans la zone de combat tout bêtement, et qu'on ne la prend pas avant la fin du tour dans lequel elle est arrivée dans la zone de combat, donc le joueur et le joueur suivant, donc là vu que c'est les deux joueurs, bah, ce sera mes deux joueurs, vont récupérer une carte Flow, donc qui sont ces cartes-là, qui vont venir comme les cartes talent dans le deck, et donc quand cette carte apparaît dans ma main, et ben on applique l'effet Flow qui est sur les cartes avatar, en fonction de la personne qui joue. Donc j'ai fait mon scan, donc le side job il reste ici. J'ai fait mon scan et j'ai trois cartes shiny. Trois cartes shiny qui vont servir à... je vais laisser cette carte-là pour l'autre joueur, pour mal. Je vais prendre la carte avec le coordinette dessus, la carte de soin, qui me rapporte une attaque, et que je peux utiliser en coordinette, donc en la laissant à quelqu'un d'autre. Et en plus, quand j'ai la coordinette, je peux soigner une blessure d'équipage. Donc si jamais Mal avait des blessures, je pourrais m'en servir pour le soigner. Donc ça vient en défausse. Hop. On retire 6 cartes. On remplace la carte sur le pont. On a 6 cartes à nouveau. Et on repasse à Mal qui va continuer à jouer. Alors, j'ai 3 misbehaves, donc 3 attaques. Ah non, mais déjà, faut que je balance la carte. Hop. Donc, je peux encore scanner un coup. Je scanne celle-là. Ah, donc celle-là, voilà. Elle, si c'est une carte, la carte salvage, c'est la caisse. Il y a le mot-clé reveal dessus. Move to Operation, donc on va mettre la case dans Operation. Alors qu'est-ce que ça nous indique? Operation, Mal, Zoé ou Jane, donc ça c'est selon le personnage que l'on peut jouer potentiellement dans le jeu, peuvent payer 2 points de recrutement pour récupérer cette caisse. Et à ce moment-là, on la met dans le Serenity, on gagne une carte talent et ça compte pour le scénario. Tous les autres personnages, donc c'est le cas de Kaylee, hein, qui n'est pas dans cette liste, doivent dépenser 4 points de recrutement. Donc déjà, j'ai un de mes deux personnages qui est meilleur pour récupérer les caisses que l'autre. Et finalement, c'est Mal qui est meilleur à ce petit jeu-là. Donc la carte, elle va dans les opérations. Ici, ce qui est bien, c'est que ça va me créer un petit trou, donc ça ne va pas se décaler tout de suite. Ça va temporiser un peu le passage des cartes. Parce que quand j'ai une nouvelle carte qui va arriver, ça va se décaler ici, mais celle-là ne se décale pas. Et surtout, ça va nous permettre d'avancer sur le scénario. Parce que 2 points de recrutement, c'est Mol qui joue. J'ai les 2 points de recrutement. Et je serais bien tenté de dépenser pour récupérer ça. Ou sinon, de récupérer tout de suite ça. Alors, je vais récupérer ce personnage. Donc, je récupère Wash à nouveau pour le full burn. Comme ça m'en fait 2. Je vais pouvoir utiliser le. J'aurai peut-être une chance d'utiliser la compétence, la capacité qui est sur la carte, qui est que les ennemis ne pourront pas attaquer à ce tour. Si je me retrouve avec des ennemis que je ne peux pas, je n'arrive pas à descendre ou à attaquer, ça sera utile. Donc je vais prendre celle-là, contre les 3 points de recrutement. Je défausse toutes mes cartes. Je repioche 6 cartes. Là, j'en ai qu'une qui me reste dans mon deck. Donc je remélange le deck. C'est comme ça qu'on va reconstituer le deck en gagnant des cartes dessus. Hop, 1, 2, 5. J'ai 6 cartes. Donc là, je vais quand même checker que j'ai pas une carte. Non, j'ai pas de carte coordinate, de toute façon. Hop. Mol, il n'en a pas. C'est au tour de Kaylee à nouveau de jouer.
Donc Kaylee, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc première chose à faire, je prends une nouvelle carte. Qui vient ici. Donc il n'y a pas des masses de cartes dans les épisodes. Faut pas traîner pour retrouver les caisses. Donc Kaylee, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer. Elle va essayer de faire le side job justement. Donc au début de mon tour, je défausse les cartes qui ont une attaque ou plus. Donc là, j'en ai deux à défausser. Donc je les défausse et je ne vais pas les utiliser. Il me reste 4 shiny. Ah, j'ai pas remplacé la carte qui était ici. J'ai 4 points de recrutement. Donc 4 points de recrutement, je pourrais aussi réaliser la partie opération. Mais c'est dépenser beaucoup de points de recrutement pour finalement peut-être laisser... pour pas grand chose, autant prendre des cartes pour améliorer le deck. Et ici, on a le choix entre, on a toujours le Simon pour soigner l'équipage. On a Inara, qui est un peu la... celle qui gagne beaucoup de fric sur le vaisseau, parce que c'est une call girl. Ou une escort girl, on pourrait dire plutôt. Ouais, par contre celle-là c'est on soigne une blessure d'équipage d'un autre caractère principal et on pioche nous-mêmes une blessure. Partager un baiser, tu m'étonnes. 5 ça le Crazy Ivan, c'est une manœuvre du vaisseau dans le premier épisode là, contre les Reapers. Donc ça tu peux pas la prendre. Je vais prendre cette carte-là. No power in the verse can stop me. C'est River. Donc River, c'est la sœur de Simon, je crois. Qui est assez spéciale et qui a des pouvoirs assez spécifiques. Donc celle-là, si j'ai un petit point, si j'ai déjà joué une carte avec un point, je gagne un plus 2. Plus d'attaque. Et sinon, celle-là vaut déjà 2 plus en attaque. Donc je vais prendre celle-là. Avec les 4 points de recrutement, je repioche 6 cartes, je remélange mon deck, je remplace la carte ici. Donc pour l'instant, donc nous ce qui va compter pour nous, si on veut se dépêcher, c'est de pouvoir révéler rapidement les cartes pour tomber sur les caisses et les récupérer au plus vite. Si jamais on peut les récupérer, même si on a très, très peu fait évoluer notre deck, c'est ce qui est le plus intéressant. Absolument pas que la dernière carte du paquet épisode atteigne la zone de combat, sinon on perd le jeu. Alors, est-ce qu'il y aura une carte qui sera... Non, il n'y en a pas du tout. Alors, mal. Alors Mal, si jamais il pouvait défausser... Ah bah Mal, t'es impeccable. Voilà, Mal défausse aussi, il a qu'une seule carte de type attaque. Donc il a défausse. Alors la question c'est, est-ce que le fait que sur deux tours différents, chacun de mes personnages l'a fait... At the start of your turn, you will discard each card with... Two turns in a row to complete this side job. Donc pour moi j'aurais peut-être là j'ai eu sur le tour d'avant Kaylee a défaussé et sur le tour maintenant Mal a défaussé. Donc est-ce qu'on considère que c'est il faut qu'il défausse chacun pendant deux tours? Oh, je pense pas, je pense qu'on est bon là. Bon, on va dire que je l'ai fait, il faudra que je vérifie ce point là. Donc ça voudrait dire qu'on a réussi le job. Et que donc tous les joueurs qui ont défaussé des cartes. Donc oui, c'est pas forcément tous les joueurs qui le font en plus. Gagnent un talent. Donc ça veut dire que ça, le side job, il est réussi.
On va le mettre en defeated. On va le garder parce que ça compte un crédit à la fin du jeu. Et on va récupérer une carte talent pour Maul, une carte talent pour Kaylee, qu'on met dans la défausse. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 points de recrutement et mon talent. Donc le talent, on ne va pas l'utiliser encore. Par contre, 4 en recrutement. 4 en recrutement, je vais prendre celle-là, qui me récupère 2 points de recrutement. Et en plus, quand je l'active, je peux scanner gratuitement la carte qui est le plus à gauche dans le verse, donc celle qui vaut 2 en attaque, mais si elle n'est pas déjà révélée, évidemment. Donc je vais faire ça. Et reprendre mes cartes. Donc le jeu est très simple, hein, comme tous les legendary et comme tous les deck building de ce type là. Et relativement simple, ce qui est plaisant, bah justement, c'est de réussir à combiner, à créer un bon deck, à anticiper parfois quand on connaît déjà l'épisode, si on l'a raté une première fois, ce qui peut arriver, le rejouer un peu mieux. Donc Mal, il a joué, c'est à Kaylee qui va pousser donc ça. Alors par contre, on n'a plus de carte scannée, donc il faudrait qu'on refasse un scan si c'est possible. Si c'est possible uniquement, là ça va pas être possible, celle-là ne me servira à rien. Et le talent de Kaylee, c'est de réparer un dégât dans le vaisseau, donc pour l'instant il ne nous sert pas non plus. J'ai donc 4 points de recrutement encore. J'oublie de remettre, on va remplacer les cartes. Ouh, dommage, elles sont bien celles-là. 4 points de recrutement. Ouais, je vais prendre celle-là, ça fait toujours 2 en attaque. Ça permettra de redistribuer un peu la proposition sur le pont. Est-ce que j'ai du coordinate? Ah, si. Donc ici, je vais mettre de côté pour qu'elle soit visible et que je puisse m'en souvenir. Une carte coordinate. Des fois que Maul puisse s'en servir pendant son tour. Donc là, quand un joueur place une carte coordinate pour un autre joueur, pendant le tour d'un autre joueur, ce qui va se passer là maintenant, il place la carte coordinate et il. Enfin, non, j'attends. J'attends de savoir ce que va faire Maul déjà, savoir s'il en a besoin. Donc Maul, il décale tout. Là, il va falloir qu'on commence à scaler, sinon ça va être chaud pour nous. On va pas savoir ce qui arrive dans la combat zone. Parce qu'une fois que c'est une carte arrive dans la zone de combat, on la révèle évidemment. Ah. Alors, j'ai 3 attaques. Non, j'ai même plus ce que c'est une attaque. J'en ai 5 des attaques. Ah, ben je vais pouvoir faire un premier scan de. Alors là, ici, j'ai 2 points de recrutement. Donc, le 2 points de recrutement, vu que j'en ai 2 et que j'ai pas envie de prendre cette carte-là, je vais faire l'opération. Donc, l'opération ici, on récupère une caisse. Puisque Mal, ça ne coûte que 2 points de recrutement pour récupérer une caisse. Je la place à côté du vaisseau. Et je récupère immédiatement une carte talent qui vient dans mon deck. Ensuite, je vais faire un scan de 2 avec 2 points d'attaque, donc je révèle cette carte là. Ouh, et voilà, donc comme dans l'épisode de Firefly, le gros vaisseau de l'Alliance avec ses grandes tours qui est énorme, donc lui il est bien pénible, il arrive tôt et ça m'emmerde. C'est que il a un effet permanent qui est de donner plus 1 à tous les gunships de l'Alliance. Donc tous les vaisseaux de type gunship de l'Alliance auront une valeur de plus 1. Et je crois de mémoire qu'à la base ils ont 3. Il faut 3 attaques pour les détruire.
Plus 1, ça veut dire qu'il y aura 4 pour les détruire, donc ça va être plus compliqué. Alors celui-là, il a 10 pour le détruire, autant dire que dans le premier épisode, c'est quasiment impossible de le détruire. Ou alors, on peut essayer en même temps, mais il me semble que c'est très difficile. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, parce que si je révèle un vaisseau à un autre vaisseau, ce que je vais faire, il me reste 3 attaques, donc de toute façon, je vais révéler un autre vaisseau. Je vais révéler un autre scan, donc je vais révéler celui-là. Et voilà, donc c'est le fameux gunship qui lui, donc il est marqué. Donc voilà, gunship, Alliance gunship. Donc lui, là, il faut lui faire 3 attaques, 3 points d'attaque pour le détruire. Mais grâce au vaisseau qu'on a vu juste avant, il a 4 finalement. Donc il a 4, et ici on peut voir qu'il est marqué ennemi. Donc on sait qu'il ne veut pas du bien. De type ship, donc c'est un vaisseau qui lui fera, quand il fera des attaques de type vaisseau. Donc, on a la Strike Force qui commence à arriver, et c'est pas bon signe pour nous. Je défausse les cartes, j'en reprends 6, 1, 2, 3, et mon 3. Je mélange donc mon deck, et les choses sérieuses vont sûrement commencer dans un ou deux tours. Donc l'intérêt aussi qu'il n'y ait pas de cartes dans le scénario, c'est que on arrive vite à des moments de haute tension dans le jeu. Et ça, c'est bien sympa. Parce que, bah, par exemple, dans le premier épisode de Firefly, quand ils voient apparaître le vaisseau d'Alliance, alors qu'ils sont en train de looter les épaves, ce qui est interdit, je crois que c'est des épaves de l'Alliance en plus, ils se sentent super mal, ils mettent le vaisseau au ralenti, ils sont obligés de se planquer. Ils sont obligés de faire une sorte de... Ah si, ils envoient une fausse balise de détresse qui, bah, peut-être qu'on le verra d'ailleurs, qui s'appelle le Cry Baby, qui fait croire un signal de détresse auquel l'Alliance doit répondre en fait. Pour s'en tirer. Et le Cry Baby, il me semble qu'il est dans les cartes scénario, justement. S'il n'est pas là, il est dans le suivant. Bon, j'arrête de mélanger mes cartes, en fait. 1, 2, 3... Est-ce qu'ici... Ah, j'ai oublié, j'ai encore une carte coordinette. Donc la carte coordinette que je n'ai pas utilisée tout à l'heure, j'ai oublié que je l'ai retournée et je ne l'ai pas utilisée. Comme quoi, il faut que je me la colle sur le front pour m'en rappeler. Elle est défaussée, elle est pas, je ne l'ai pas utilisée, donc non. Je l'ai laissée dans le jeu de Kaylee. On ne l'a pas utilisée. Bon, je la retourne pas pour la donner, pas pour la mettre en coordinette, mais uniquement pour me rappeler que j'en ai une. Et si jamais je l'utilise, si jamais j'en avais besoin, je l'aurais mis en coordinette et j'aurais pioché une nouvelle carte pour Kaylee, ce qui n'est pas le cas. Donc Kaylee, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décale les cartes. Là, ça devient très très chaud. Très très chaud. Donc dès que les vaisseaux vont arriver en combat zone, une fois qu'on aura fait notre phase d'action, donc la phase d'action d'un personnage, d'un joueur, chaque vaisseau qui est dans la combat zone, du vaisseau qui est le plus à droite vers le vaisseau qui est le plus à gauche, va faire une attaque. Donc là, c'est des vaisseaux, ils vont faire des attaques sur le Serenity. Donc on va prendre des dégâts de type vaisseau. Et si ça se trouve, dans 3 tours, on a terminé la partie. Et on a explosé en plein vol. Quand je disais que c'était serré, que c'était tendu, je disais pas n'importe quoi non plus. Alors, mais... Donc les vaisseaux qui sont ici dans le verse, on peut quand même les attaquer. Je suis pas obligé d'attendre qu'un vaisseau soit dans la combat zone pour l'attaquer. Je peux l'attaquer tout de suite, à partir du moment où il est révélé. La différence qu'il y a entre les vaisseaux qui sont ici et ici, c'est que ceux qui sont dans la combat zone nous attaquent. Que tant qu'ils sont dans le verse, ils ne nous attaquent pas. On sait qu'ils arrivent, qu'ils vont nous en mettre plein la figure, mais ils ne nous attaquent pas tout de suite. Donc, Kaylee. Alors évidemment, on va être tenté entre... Puisque pour scanner, on utilise des points d'attaque, on peut être tenté d'attaquer les vaisseaux plutôt que de scanner. Sauf qu'on peut on pourrait très bien scanner, parce que si on révèle des cargaisons à récupérer, on va pouvoir le faire rapidement. Et donc voilà, on a déjà ce petit choix cornélien qui est de dire, est-ce que j'attaque le vaisseau pour me protéger, ou bien est-ce que... il n'y avait pas de coordinates, lui... Ben non, évidemment. Ou bien... J'ai 2 miss BF, donc je peux faire 2... Donc les trucs sont déjà scannés, ça ne sert à rien du tout. Ah non, j'ai plus que ça en dégâts. Ah bah tiens, oh là je peux faire...
Là, ça me ferait 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, elle a quand même une puissance de 7, Kaylee, qui serait pas loin des 10. Ah, peut-être que 10, on peut le faire en fait, dans le premier épisode de détruire. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc, pour l'instant, donc le vaisseau, il a 4. Donc, ce qu'on va faire, je crois que c'est pas une bêtise de faire ça, c'est qu'on va jouer cette carte-là. Donc, pas encore dinette, hein, on l'a joué pour les 1 d'attaque. Donc, cette carte-là a le petit icône, une petite icône en forme de point, là, à l'entrée, je ne sais pas si on le voit bien, une petite icône en forme de point. Et cette carte-là, qui a un petit icône en forme de point aussi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'elle fait 2 et plus de dégâts, et que dès que j'ai un petit point qui a été joué avant, j'ai un plus 2. Donc, celle-là vaut 4, attaque, et plus 1, ça fait 5 en attaque. Qui suffisent pour détruire ce vaisseau. Qui va dans les cartes defeated en haut. C'est ça. Et en plus, ça nous permettra de gagner un petit tour, puisque ici, quand ça va se décaler, ça va arriver ici. Celui-là ne va pas venir sur la combat zone tout de suite. Donc ça, c'est pas mal, déjà. Et il me reste 2 points d'attaque qui ne me servent à rien du tout. Donc je vais défausser. Et 2 recrutements qui vont me servir. Bah, je vais quand même reprendre la carte parce que pour renouveler mon deck au milieu. Donc, je vais prendre la carte de soin. Je reprends la carte. 1, 2, 3. On mélange le deck. Donc, je ne sais pas si vous en avez encore remarqué, je n'ai pas slivé mon jeu. Peut-être suis-je un hérétique. Mais je trouve que les cartes légendaires sont assez costauds. Moi, j'aime pas trop les sleeves. Je trouve que ça grossit énormément les paquets. Ça fait glisser les cartes souvent. J'essaie d'y faire attention quand je mélange. Puis après, il y a tellement de cartes que même si les coins sont légèrement frottés ou autres, on ne sait pas ce qu'il y a comme carte qui arrive. Donc ça ne me dérange pas. Les cartes sont assez costauds. Elles sont assez épaisses quand même, les cartes légendaires. Hein. Donc c'est pas dramatique, je sniffe souvent les jeux où les cartes sont vraiment me paraissent trop fines, par peur des tordes ou les cornets. J'ai plus peur avec d'autres jeux, par exemple, avec je crois que Shadowrun Crossfire avait des cartes très très fines que j'avais snivées. Donc elle a son deck, est-ce qu'elle pourra faire du coordinate? Non. Donc je ne regarderai pas son jeu. C'est au tour de Moll qui fait décaler les cartes dans le verse. Oh, oula, j'ai pas vu. Il ne faut pas que je retourne ce truc-là. Alors, Mal, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va scanner, Mal. Je vais pouvoir scanner. Alors, le problème, si je scanne... Ah, je vais utiliser mon talent. Je vais utiliser le talent, donc... Donc, le talent, il va se trouver dans la pile de talents après. Donc le talent, c'est que je pioche une carte, donc je repioche une carte, qui est type recrutement, et quand j'active, je choisis 2 joueurs différents. Choose 2 different players to each draw a card. Donc 2 joueurs différents qui peuvent piocher une carte, il y a quelqu'un qui peut piocher une carte, donc elle aura une carte de plus dans son deck au tour prochain. Si c'est une carte de type coordinate, c'est pas le cas, tant pis. Donc, mon talent est dépensé. Enfin, j'ai un talent de dépenser plutôt. Donc c'est pas ça que je voulais comme carte, ça m'intéresse pas des masses. Parce que je peux scanner de 2. Mais si c'est un vaisseau, je pourrais pas l'attaquer. Tant pis. Dirons-nous. Donc je scanne pour 2. Cette carte-là. Qui est un vaisseau, donc il y a 4 en force. Ah, c'est quelle chance. Mais du coup, je vais scanner la suivante. Parce que je suis là, lui, je ne peux pas l'attaquer, j'ai que 3 points d'attaque. Donc je suis U. Je suis fait. 3 points d'attaque, je vais scanner la zone suivante. Donc on remarque également qu'on n'a pas de. On ne peut pas acheter de cartes.
de type basique comme on peut avoir dans Marvel, dans les journaux Marvel où on a deux ressources qu'on peut tout le temps acheter. Ici c'est le scan, je pense, qui remplace un peu cette mécanique. Donc je scanne cet emplacement là ou pas, ou celui-là. Je fais un choix entre ceux là. Clou clou, ce sera toi. I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out to the black. Tell me.